tout à fait conscient qu'on est tous rentrés dans un cycle d'évolution, de transformation qui affecte nos modes de fonctionnement quotidien. Et on a envie de prendre ça comme des opportunités. Et d'ailleurs, comment est-ce que Renault Nissan Consulting accompagne ses clients dans leur nouvelle transformation? C'est d'abord la connaissance intime de nos clients qui fait qu'on essaye d'avoir toujours le coup d'avance. Donc cette capacité à regarder loin, tout en étant très ancré dans la réalité de l'entreprise. Et puis, il faut développer la désirabilité du changement. Et puis enfin, il faut accompagner le management. Quelles sont les meilleures pratiques que tu proposes à tes clients aujourd'hui? Il faut utiliser une démarche apprenante à la fois du client et aussi du consultant. J'ai trois bonnes pratiques. La première, c'est de faire des learning expeditions. La deuxième, c'est de bien travailler la data. La troisième, c'est de faire évoluer en fait les mindsets de l'entreprise vers un mindset plus agile. C'est très important de sortir un peu de l'entreprise, prendre les recul. Merci Olivia. Quelles nouvelles pratiques conseillez-vous à vos clients pour les faire évoluer et les rendre plus performants? L'objectif, c'est de les amener à comprendre ce qui se passe dans le cerveau et comment finalement ça décuple l'envie d'agir des collaborateurs et l'envie d'agir d'ailleurs du manager en support au service de ses collaborateurs. Alors, je donnerai quatre recommandations. Rencontrez vos clients. La quatrième, c'est l'internalisation. On ne peut pas être agile avec des sous-traitants avec qui on fonctionne dans un schéma client-fournisseur passé. Il faut que ce soit les équipes qui travaillent ensemble. On doit travailler le collectif et c'est quand même plus simple quand on est tous de la même entreprise. Lors de votre intervention de ce matin, quels sont les principaux messages que vous avez voulu nous faire passer? J'ai eu l'occasion d'exprimer quels étaient nos challenges dans le domaine du spatial, puisque nous avons plusieurs révolutions dans le domaine des lanceurs. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de partager nos expériences sur les modes de transformation, en particulier le critère humain, qui est certainement le facteur essentiel pour pouvoir réussir une transformation d'entreprise. How do you see the evolution of the industry regarding the potential of Industry 4.0? We try to focus in how to improve our efficiency. For us, it means that we need to use all this information and this big data to build smart factories to be able to increase the efficiency and the performance of our operations. Quelles solutions innovantes le groupe Renault propose-t-il pour l'usine de demain? Nous travaillons sur quatre domaines d'application. Un, c'est machine connectée, processus connecté, personne connectée. Deuxième chapitre, c'est la géolocalisation des emballages, géolocalisation des voitures. Troisième, c'est la traçabilité. Et dernier domaine, c'est la maintenance prédictive. Ça va changer notre industrie parce qu'on va passer des organisations tayloriennes à des organisations très proches du terrain, agile, dont nous pouvons donner une réponse plus vite aux différentes problématiques. On termine en allant boire un verre ensemble pour continuer sur cette note d'émotion positive.